quand tu descendras du ciel. S'il te plaît, faut faire virer le graillet. Parce que là, il a vraiment déconné. Ah, faut applaudir. Pas ma petite chanson à deux balles, mais faut applaudir Nono. Ah bah, bravo, Nono. Waouh. Bon, les gars, je vais faire une petite parenthèse in English. Parce qu'on sait très bien qu'Evra, ça ne s'arrête pas à l'Eurostar, c'est international. Donc, guys, yeah, this clip was a shocking clip. It's the French boss of the French Federation of Football, like the big boss. He say the racist doesn't exist in any sport, and particularly in football. And he give the best example in his life. He say when a black player score a goal, everyone celebrate. So the racism doesn't exist. Sorry, guys, I'm laughing, but it's not funny. It's just crazy. Like the COVID-19 is killing everyone. So I'm sorry, guys. I will keep talking in French now. And I love you and see you really soon. Bon, les gars. Bah alors, Nono, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, c'est quoi tu... Je suis plus en équipe de France, donc voilà, tu te permets de raconter des conneries. Mais là, c'est grave. Là, c'est une vraie bavure d'enflure. On t'invite sur un plateau télévisé. Tu prépares ton discours avant. À moins que c'est peut-être Iguane qui t'a préparé ton discours. Eh oui, Iguane, c'est un gars, quand il m'a rencontré, déjà, il pue de la gueule. Et il sent le facho. Et même lui, on m'a dit, maintenant, tu l'as nommé directeur des cabinets. Donc voilà, quand je suis pas là, voilà, c'est le bordel. Mais c'est incroyable, Nono, pas toi. Là, ta graette, la feuille de match. Il te restait une mèche sur le caillou, mon petit Calimero. Mais là, il n'y a plus rien, ben, faut partir. 79 piges, t'as été finaliste championnat d'Europe. T'as gagné la Coupe du Monde, mais faut partir. On m'a dit, il y a les élections en mars. Tu vas pas avoir le courage de te représenter. Bon, les gars, en France, on n'est pas des bouffons. On peut pas laisser passer ça. Parce que quand c'est nous, les joueurs, on déconne. On est la honte du football. Mais là, c'est la honte de... J'ai pas de mots. Mais là, Noël, t'as pété un câble. Et je vais donner des exemples. Parce que oui, tu sais pourquoi je parle comme ça, Noël? Parce que on m'a dit, quand moi, on m'a attaqué, il y a des gens qui ont porté plainte contre moi parce qu'il y a une vidéo qui a été diffusée sur Snapchat. J'ai même pas Snapchat, c'est un imbécile. Je me suis fait avoir, qui m'a dit, vas-y, chambre mon collègue, j'ai rien à voir même, j'ai rien contre ce club, tout ça, qui est passé comme ça en boucle. Et on t'a demandé, alors, qu'est-ce que vous pensez? T'as dit, ah, il a pété un câble, ah, il a changé. Ben, déjà, il y a que les cons qui changent pas, mais pourquoi t'as ouvert ton bec? Ben maintenant, je vais te détruire. Et pourtant, il est pas raciste, mais t'as parlé comme si t'étais au quartier. Ouais, le black, quand il marque le but, et 1 et 2 et 3-0, mais ferme-la, mais ferme ton bec. Et en plus, tu dis qu'il faut pas arrêter les matchs quand il y a les cris de singe. Mais c'est quoi? C'est notre couleur? C'est de la merde? Ben ouais, on est du caca, donc on nous respecte. Même le caca, on respecte mieux que nous, les blacks. Ben ouais. Mais là, Noël, il va falloir que tu dégages. Hein. Il va falloir, je suis désolé, mon petit Calimero, mais là j'ai perdu, alors là, tout mon respect pour toi. Pourtant, les Basques, c'est des gens solides, respectueux. Wow, là, mais là, t'as laissé même tomber tout le peuple basque. Non, Noël, là, I don't love this game. Ah non, I don't love this game. Et en plus... Tu vois, je vais donner des exemples. Je suis obligé. Je suis pas une balance, hein, Noël. Mais là, quand tu me... Là, je suis obligé de parler. Au château. Tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit? Racistes, des lettres. Hey, Didier, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça? Mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi, j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis de caca.
Hein? Et quand le président de la République il vient nous voir au château, hein? On sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins, on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. On a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois, des hommes politiques, ben là, et tout changeait. Ben, moi, j'étais assis là, d'un seul coup, j'étais au bout de la table. Où il y avait normalement Mamadou Sakho et ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, ben, il fallait changer. Ben, là, on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous. Et pour voilà, on faisait pour voilà, quand il y avait une photo du président, voilà, c'était mieux de voir un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny à côté de lui qu'un Mamadou Sakho ou un Bakary Sagna. Tu vois, c'est dommage, hein. Et surtout les joueurs français, ne likez pas cette vidéo parce que sinon plus de sélection, hein. Mais je suis déçu, on va pas laisser passer ça quand même. Hey, en France, on n'est pas des bouffons. On n'est pas des bouffons, les gars. Il peut pas, on peut pas. Mettez-moi un Arsène Wenger, ou wow, des gens respectueux, tu vois, dans le football, mais pas un Calimero à deux balles qui a perdu tous ses petites méchettes sur son caillou. Mais là, c'est le coup de pinard en trop. Ah ouais, là, je suis déçu, Nono. Ou faut le tester. Peut-être qu'il a attrapé, il a chopé le coronavirus parce que ça nous, on pète tous les plombs. Bah, peut-être que voilà l'excuse. Que tu peux dire, bah, j'ai été testé au coronavirus, c'est pour ça que je parle comme ça. Mais là, voilà, c'est international. Hein. T'as vu, j'ai parlé en anglais, parce que quand nous, c'est les joueurs, là, et la presse, ils bloquent rien. Là, ils envoient partout, en Angleterre, partout. Faut que ça sorte partout. Mais moi, j'avais même pas vu ça, pour te dire. On a dû me l'envoyer aujourd'hui, donc c'est maintenant, je viens de me réveiller, parce que tu sais très bien que je regarde pas la presse, je suis pas intéressé. Mais, ah là là, Nono, ouais. Tu vois, on m'avait déjà envoyé. Quand même, quand tu avais déconné sur moi. Mais là, je peux pas laisser passer ça. I don't love this game. Je suis déçu. Bah, vive la France. Hein, les gars, bah, bonne chance. Avec des têtes comme ça, on va pas aller bien loin.